Monde. Bonjour tout le monde, petit live un peu improvisé comme parfois je vais en faire sur le cours de l'histoire. Et cette semaine, le cours de l'histoire, sa thématique, c'est l'histoire à la carte. Donc, vraiment, les cartes dans l'histoire, puisque là, quand les anciens battent leurs cartes, donc je pense que sur les cartes de l'Antiquité, imaginer le monde et se représenter la Terre n'est pas une évidence. Les cartes Atlas ou autres, map monde, n'ont pas toujours existé. Comment la cartographie s'est-elle développée de l'Antiquité au Moyen-Âge? Donc, je pense que ça va être une petite semaine sur l'histoire de la cartographie, le rôle de la cartographie dans l'histoire. Donc, ça peut être des sujets intéressants. Donc, je pense que cette semaine, je vais être en streamer quelques fois. Je pense que mercredi soir, je ferai un stream préparé là-dessus. Mais aujourd'hui, on va commencer par un petit stream à l'improviste en écoutant cette émission de France Culture. Écoutez, allez, je vous laisse lancer. Allez, voilà. Toujours un peu le lancement du cours de l'histoire bug régulièrement, mais c'est bon. Ah, par contre, non. J'ai lancé l'émission, mais il n'y a pas de. Excusez-moi. On va remettre au début. Est-ce que je viens de me rendre compte que le son ne sortait pas? Oui, il faut que. Parce que là, je sors dans les écouteurs. Propriété. Excusez-moi. Voilà, haut-parleur, il faut que je mette casque. Voilà, terminé. Et là maintenant, normalement, si je lance l'émission, on est bon. Et puis les cartes murales, oui, dans les Oui, salles c'est de bon. classe de nos écoles. Ah, il en a fait voyager des élèves, ce bon Vidal de la Blache, géographe aux planches scolaires entré dans notre patrimoine. Combien d'heures passées à rêver de territoires au bout du monde, des noms improbables de villes, le Kazakhstan, Rio de Janeiro, l'Himalaya. Le bambin choisit un point au hasard sur la carte. Un jour, j'irai là-bas. Pour le moment, c'est par la carte qu'il voyage. La carte, les paysages, les photos, c'est des moyens de voyager à moindre frais. Christian Jacob, bonjour. Bonjour. Avons-nous une idée de la première carte? Qu'est-ce que nous savons aujourd'hui des origines de la cartographie? Il y a énormément de discussions autour de cela. Ah, la première carte, la trouvera-t-on jamais? La cartographie remonte à la préhistoire, à la fin de la préhistoire, et on a des découvertes continuelles dans ce domaine. Enfin, vous savez qu'on a retrouvé récemment une carte sur pierre de la Bretagne, de la région enfin, du cours de l'Aude, qui est tout à fait stupéfiante par ses qualités topographiques. Donc, je me garderai bien de fixer une date. Mais bon, la cartographie. Bon, et on la repère à Babylone, on la repère dans le monde égyptien, Oui, dans le le monde principe de grec, son de et faire c'est des une cartes, je pense, vaste est ancien. tradition qui continue après jusqu'à nos jours.
Christian Jacob, vous êtes directeur de recherche au CNRS, directeur d'école, directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales. Et justement, dans cette réflexion sur les cartes, cette temporalité qui nous conduit jusqu'à la préhistoire est pertinente parce que cela montre la volonté, la nécessité, alors là, c'est une autre question, de mettre l'espace sur un support. Alors vous avez évoqué la pierre pour certaines cartes préhistoriques. Cette nécessité, comment l'expliquons-nous ? La notion de carte telle que nous la connaissons aujourd'hui est multiple. La carte sert à se déplacer, la carte explique le monde. Ces cartes anciennes sont-elles des cartes d'utilité ? Ce que nous pouvons savoir, ces cartes ne sont pas des cartes d'utilité, ce sont des objets spéculatifs, intellectuels, théoriques, qui vont peu à peu servir à construire et à représenter le monde terrestre. Mais au début, c'est vraiment la projection d'un concept, d'une hypothèse théorique forte sur la matérialité du monde, sa finitude, le fait qu'on puisse le circonscrire par un contour et qu'on puisse le tenir sous la forme d'une tablette en disant « c'est le monde où je suis ». Donc avec ce paradoxe d'être à la fois partie de ce monde et d'être dans une distance de contemplation et de réflexion et de théorie par rapport à ce dessin sur un support matériel. Oui, le dessin, c'est ça, la carte, c'est un dessin sur un support matériel avec du texte bien souvent pour indiquer des noms. Mais dans la démarche première, Christian Jacob, j'adore ce que vous dites parce que nous sentons bien que cela touche peut-être à de la philosophie, peut-être à de la théologie, en tout cas à une représentation du monde. La carte est un outil, bien sûr, mais avant tout, c'est un exercice intellectuel. C'est le cerveau qui est en œuvre. Tout à fait, c'est l'imagination, c'est la spéculation, c'est la raison, et disons par rapport à des traditions mythiques où l'on raconte le monde, où on le décrit sous la forme de généalogie, d'entités successives, la carte a ce pouvoir extraordinaire de le mettre sous les yeux. Et la première carte grecque dont on ait des traces littéraires, la carte d'Anaximandre de Milet au VIe siècle avant Jésus-Christ, est un artefact dont toute la tradition ultérieure souligne l'audace intellectuelle. Il a dit d'Anaximandre. Qui était ce personnage qui, le premier, a osé... Comment il a dit qu'il s'appelait la première carte ? Le mettre sous les yeux. Et la première carte grecque dont on ait des traces littéraires, la carte d'Anaximandre de Milet. D'Anaximandre. Ça, d'Anaximandre de Milet. Alors, ah oui, donc oui, c'est ça, c'est la carte dont on a la carte en trois parties du monde avec la Libye pour l'Asie, Europa et. Libye pour l'Afrique, l'Asie et l'Europe. Donc on voit, on reconnaît l'Italie, la Grèce, la Turquie, la péninsule arabique. Par contre, oui, le reste de l'Europe, c'est une grande plaine. Il y a le Nil qui est dessiné, mais le reste de l'Afrique est assez peu connu. La mer après, qui est normalement la mer Caspienne, n'a pas vraiment cette forme-là. Donc on voit quelle partie du monde ils connaissaient mieux et quelle partie dont ils avaient une connaissance beaucoup plus floue. Milet, au VIe siècle avant Jésus-Christ, est un artefact dont toute la tradition ultérieure souligne l'audace intellectuelle. Qui était ce personnage qui, le premier, a osé représenter la Terre sur une tablette, l'a osé la dessiner. Et ce dessin était évidemment très, très projectif, très spéculatif. On n'avait pas les moyens de connaître les confins du monde. Donc c'est un cercle, c'est un disque qui est mangé à l'intérieur par la Méditerranée, qui dessine les contours de plusieurs péninsules et qui permet de diviser le monde en trois continents, l'Europe, la Libye, l'Asie. Et à partir de là, c'est effectivement une forme de savoir géographique qui peut naître. Et rappelons que géographie, c'est à la fois l'écriture et le dessin de la Terre, avec l'ambiguïté du verbe « graphein » en grec. Oui, parce qu'il faut rappeler l'étymologie des mots pour les saisir. Voilà la géographie qui est là. Alors la géographie peut être écrite, peut être dessinée. Justement, Christian Jacob, vous nous conduisez dans la Grèce antique avec des cartes. La carte est-elle une évidence pour les Grecs de l'Antiquité ou est-ce quelque chose d'extrêmement marginal ?
Je ne sais pas si c'est une évidence. En tout cas, la carte a été élaborée et utilisée dans des milieux assez spécialisés, qui sont des milieux de physiciens, au sens grec du terme, qui travaillent sur la nature du monde, puis dans des écoles de philosophes, l'Académie de Platon, le lycée d'Aristote, et au musée d'Alexandrie, avec Ératosthène, au IIIe siècle avant notre ère, qui est un personnage fascinant, à la fois bibliothécaire, cartographe, mathématicien, poète, philosophe. Donc c'est quelque chose de relativement Oui, il y a eu des tours. spécialisé et qui coexiste avec d'autres formes de géographie, avec la géographie des mythes, des récits, de l'épopée, des poèmes, cette rumeur immémoriale des noms de lieux, des noms de peuples, des grands voyageurs comme Ulysse, les Argonautes, etc. Donc il faut parler de géographie parallèle, je crois, dans le monde grec, entre d'une part des personnes qui élaborent ces dessins avec des modèles astronomiques et mathématiques souvent très, très sophistiqués, et d'autre part la conscience que les gens pouvaient avoir du monde dans lequel ils vivaient, par cercles concentriques finalement, depuis leur lieu d'habitation jusqu'aux confins très, très brumeux du contour de la Terre. Ces terres inconnues hein, qui font Oui, comme les Romains infiniment savaient que les rêver, Chinois existaient, mais ils ne savaient pas justement, puisque grand-chose nous d'eux. sommes dans l'Antiquité grecque et nous parlons de cartes, eh bien voici les nuées d'Aristophane. Leur derrière regarde le ciel. Pourquoi? Ben, il apprend de son côté de l'astronomie. Et là, rentrez tous! Vous avez été assez longtemps en l'air! Oh, la drôle de maison! Il y en a là-dedans des choses que j'ai jamais vues. Cette boule-là, Oh! sur la table, qu'est-ce que c'est? Une sphère, pour apprendre. Quoi? Ben, l'astronomie. Et cet instrument-là, qui a deux jambes? Un compas. Pour apprendre quoi? La géométrie. Et à quoi sert-elle ta géométrie? À mesurer la La Terre. Terre conquise qu'on partage au sort? Mais non, la Terre entière! Drôle d'idée. Fais voir cette carte-là. Qu'est-ce que ça représente? Notre patrie mise à plat. Tu vois, la mer, les fleuves. Ah, et où est Athènes? Ici. C'est pas vrai. Tu vois pas de juge en Ah, séance. c'est pourtant bien là le terroir de l'Attique. Et où est Sparte? Ici. Comme elle est près de nous. Y a pas moyen de l'éloigner un peu? Impossible. J'en repentirai. Tiens, j'ai pas vu celui-là. Juché en l'air, dans un cajot. Qui est-ce? C'est lui. Qui? Socrate. Oh, Socrate. Les nuées d'Aristophane. En 1958, dans une adaptation à la radiodiffusion française, Les Nuées d'Aristophane, 5e siècle avant Jésus-Christ, à Athènes, Christian Jacob. Justement, notre patrie mise à plat. C'est ça aussi, faire une carte, c'est aplatir les choses. Oui, tout à fait. Et un mot sur cet épisode d'Aristophane qui est extraordinaire. Donc, il faut imaginer, c'est donc une représentation de comédie devant le public athénien assemblé. Et donc, on se moque d'une certaine catégorie d'intellectuels comme Socrate, qui sont déjà considérés comme étant tout le temps dans les nuages. Hein, on en est les héritiers d'une certaine façon. Et la carte apparaît avec la géométrie, la sphère céleste, comme des objets qui font rire le public athénien et qui sont perçus comme totalement inutiles et totalement décalés par rapport aux besoins de la cité, aux besoins d'une cité qui est en guerre contre Sparte. Donc voilà, c'est des choses qui paraissent complètement abstraites, inutiles, délirantes et qui sont caractéristiques d'un milieu d'intellectuels déconnectés de la réalité. Et justement, dans ces cartes de l'Antiquité, il y a tout ce que vous nous expliquez, hein, Christian Jacob, ces cartes qui sont, eh bien, une mise à plat d'un imaginaire. Mais y a-t-il des cartes, alors là, vraiment utiles pour les navigateurs? A-t-on des traces de choses comme ça? Pour les navigateurs grecs, je pense que l'essentiel des repérages s'appuyait sur des textes et sur des portulans, des descriptifs de navigation avec tous les repères côtiers, les détails du littoral, etc. Rappelons que Oui, dans les comme au régions, Moyen-Âge. on peut naviguer en ayant Au Moyen-Âge, pratiquement. il n'y avait pas, il y avait les portulans qui étaient les cartes des côtes, des ports et toutes les indications nécessaires pour naviguer. Toujours une île ou une côte en vue. Donc, nous n'avons pas de cartes nautiques. On a postulé leur existence, mais nous n'avons aucune preuve sensible, aucun témoignage littéraire sur leur existence. Et pour ce qui est des voyages, les cartes itinéraires apparaîtront plus tard dans le monde romain. Dans le monde grec, les témoignages que l'on peut avoir sont
concerne des maps mondes, c'est-à-dire des cartes d'ensemble de la Terre. Et il y a un très beau récit chez Hérodote où un ambassadeur essaye de convaincre les Spartiates de partir en guerre contre les Perses avec une map monde et en leur disant « Regardez, entre la côte de Lyonie et la capitale perse, c'est toute petite distance, vous faites ça comme rien et vous allez conquérir l'Empire perse. » Mais le roi Spartiate ne se laisse pas prendre parce qu'il a déjà une idée du fonctionnement de l'échelle cartographique. Oui, parce que voilà, ça c'est le piège à la carte. Mais c'est vrai que dans la représentation du monde, de la réalité, la carte, ce n'est pas une évidence. Il y a aussi tout un travail à faire où, pour nous, mais c'est presque d'une logique, parfois on est quand même encore surpris, hein, mais que le trait bleu peut représenter un fleuve, ce n'est pas une évidence. C'est aussi ça qu'il faut rappeler, Christian Jacob, dans cette démarche des premiers cartographes, c'est cet aspect révolutionnaire, cette vivacité d'esprit dans l'idée de mettre le monde à plat. Oui, on ignore totalement la manière dont ces cartes grecques pouvaient se présenter, quels étaient les codes de couleurs, de formes, est-ce qu'il y avait des textes écrits sur ces maps mondes, les seuls témoignages. Donc je vais vous montrer du coup une carte de trajet romain, une carte de petite guerre, qui notamment on a les traces des voies romaines et du cursus publicus, qui est la poste romaine, enfin le système de poste impériale, qui servait notamment de groupe pour les messages officiels. Et donc c'est une carte qui ressemble à ça, où ça ne représente pas vraiment la réalité géographique, mais les chemins pour voyager, grosso modo. Donc c'était, ça ressemblait à ça. L'âge que l'on est, disons, un petit peu précis, concerne la cartographie alexandrine, la carte d'Ératosthène. Et là, tel que je la comprends, c'est quelque chose d'extrêmement abstrait, géométrique. Alors après, avec Ptolémée, ça sera différent. C'est une carte qui va devenir davantage chorographique, représentant des portions d'espace. Mais la carte d'Ératosthène, je la considère comme une machine à calculer euclidienne. Vous voyez, une sorte de boulier avec des parallèles, des méridiens, où on déplace les distances et les positions que l'on peut connaître de manière à extrapoler, à imaginer la position de l'Inde et des montagnes de l'Extrême-Orient. Donc c'est quelque chose d'extraordinairement spéculatif. Et en même temps, qui transforme les données empiriques des voyageurs, des navigateurs, des militaires, des ambassadeurs, etc. Et Christian Jacob, regardez, il est là, Ératosthène. Ératosthène savait qu'il existait à Assouan, en Égypte, un puits où les rayons du soleil pénétraient verticalement un jour de la nuit. Oui, ça c'est le... l'idée d'utiliser le fait que les arpenteurs égyptiens connaissaient exactement... Ça c'est le système qu'a expliqué Nota Bene pour le calcul de la circonférence de la Terre. ...exactement la distance d'Assouan à Alexandrie. Il planta à Alexandrie un gnomon, perpendiculaire au sol, à la date même où il savait que le soleil était vertical à Assouan. Si le gnomon projetait une ombre, ce serait la preuve que la surface de la Terre était incurvée. C'est ce qui se produisit en effet. Le soleil n'apparaissait pas à la même heure, dans la même position, à Alexandrie et à Assouan. Il suffit à Ératosthène de mesurer la longueur de l'ombre pour en déduire l'inclinaison du soleil à Alexandrie, et par conséquent, la valeur angulaire de l'arc de méridien qui séparait les deux villes. La réussite d'Ératosthène fut remarquable. Il assigna à la Terre une circonférence de 252 000 stades égyptiens, soit 39 690 km. En 1960, dans l'émission Heure de culture française, Ératosthène, au 3e siècle avant Jésus-Christ, qui réussit à calculer la circonférence de la Terre. Mais alors, avec une justesse qui nous sidère aujourd'hui, et ce procédé qu'on vient d'entendre, mais là aussi, moi qui me fascine, parce que l'on me dirait aujourd'hui, calcule la circonférence de la Terre, j'en serais bien incapable, et Ératosthène l'a fait juste avec sa pensée et puis quelques moyens limités. Oui, et là j'ai une pensée pour un de mes étudiants qui a travaillé cette année justement sur ce texte d'Ératosthène dans un mémoire de master. Tout dépend aussi de la valeur que l'on donne au stade égyptien, et selon les équivalences modernes, on tombe pile sur la circonférence de la Terre, ou un peu plus ou un peu moins. Donc voilà, il faut peut-être nuancer. Mais ce que je retiendrai, c'est finalement cette caractéristique extraordinaire de la cartographie, de la cosmologie, depuis une bibliothèque, depuis un centre de savoir et de calcul, arriver à conquérir le monde par
analogie, par étapes, par des calculs partiels, et depuis Alexandrie, mettre en place le cosmos avec les dimensions de la sphère terrestre, la dimension de la Terre au Soleil, à la Lune, etc. C'est quelque chose d'extraordinaire quand on pense une conquête du monde par la géométrie, par les mathématiques, par l'astronomie. Oui, c'est très riche et c'est d'une vigueur qui nous étonne encore, cette richesse antique. Mais justement, dans ce dialogue, pour essayer de comprendre le travail des cartographes, eh bien, nous avons avec nous aujourd'hui Nathalie Boulou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes historienne, maîtresse de conférences à l'Université de Tours et spécialiste des représentations de l'espace, mais pas tant que ça dans l'Antiquité, plutôt Moyen-Âge et Renaissance, et donc de l'Antiquité. Parce que quand je dois poser la question, mais que reste-t-il de ces cartes de l'Antiquité, je dois me tourner vers vous. Oui, alors, le Moyen-Âge, effectivement, a hérité de l'Antiquité. En ce qui concerne les cartes, l'Antiquité dont le Moyen-Âge hérite, c'est plutôt l'Antiquité latine. Les textes latins, les descriptions de Pline dans l'Histoire naturelle, les textes de Solon, Orose aussi, qui a décrit le monde en ouverture de son histoire contre les païens. Et cette transmission se fait à peu près entre le 5e et le 6e siècle. Et c'est aussi le moment où apparaissent des cartes qui vont marquer l'ensemble du Moyen-Âge, qui sont des mappes-mondes circulaires, très différentes de celles sans doute qu'il y avait dans l'Antiquité. Qui était grec, mais et qui sont des mises en carte, des mises en forme graphique de textes descriptifs, notamment Solon, Orose. Et comme vous l'avez très justement remarqué tout à l'heure, ces cartes sont des mixtes de textes, de légendes, pas seulement des noms, mais des légendes qui peuvent être beaucoup plus longues et de forme géographique. Alors, à la différence de ce que l'on peut imaginer des cartes antiques, les cartes médiévales, lorsque quelqu'un qui n'a jamais vu une carte médiévale regarde par exemple la map-monde d'Erford, qui est une des rares que nous avions conservées, ne se repère pas. On ne se repère pas dans cette cartographie-là, il faut la travailler un peu. Et pourtant, ce sont des représentations de l'espace. C'est-à-dire que c'est une mise en forme graphique de notions, d'idées géographiques, et c'est le réel qui est représenté. Mais on le représente d'une manière assez différente de notre époque. Et donc, ces cartes-là ont été longtemps jugées comme symboliques, non exactes. Donc, la map monde d'Erford. Voyez à quoi ça ressemble. Donc ça charge. Voilà. Repérez-vous là-dessus. Ouais. Ça ressemble à rien qu'on connaisse. Mais voilà, pour l'époque, c'était ce genre de carte qu'ils pouvaient utiliser. Etc. Alors que c'est un produit culturel de réflexion sur les cartes et de mise en forme graphique de ce que l'on sait sur ces cartes. La carte est le reflet en fait du monde qui la produit. Absolument. Avec une ceci de particulier aussi, c'est que dans cette période du Haut Moyen-Âge, il y a une christianisation massive de la culture et la cartographie apporte aussi évidemment les signes de cette christianisation. On va placer le paradis parfois représenté. Alors, Jérusalem n'est pas au centre de la Terre sur toutes les maps mondes. Elle n'est même au centre de la Terre qu'à partir à peu près du XIIIe siècle. On a quelques cartes un petit peu auparavant qui le signalent. Mais c'est vraiment pas... C'est une des choses qu'on croit souvent sur ces cartes, ce qui est fausse. Donc, il y a une forme de christianisation, surtout sur l'Asie. Parce que c'est en Asie, notamment en Terre Sainte, que s'est déroulée l'histoire sainte. Mais l'objet n'est absolument pas de représenter des symboles chrétiens. L'objet, c'est de montrer les lieux où s'est déroulée cette histoire. Et ces cartes sont souvent aussi liées à l'histoire des hommes, l'histoire biblique évidemment, mais aussi l'histoire profane. Et le matériel toponymique de ces cartes,
en grande partie, et c'est par exemple très frappant pour l'Afrique, c'est du matériel antique, ce sont des noms antiques. Parce que tout vient de la mise en forme de textes, de descriptifs de l'Antiquité, et parce qu'au Moyen-Âge, pour connaître l'espace, on lit d'abord les textes antiques. Oui, lire les textes pour connaître l'espace, éventuellement faire une carte, mais pas toujours. Et le mot texte apparaît souvent parce que Christian Jacob, c'est cela aussi qu'il faut rappeler sans cesse. Dès que nous parlons de cartes, de géographie, en fait, nous parlons aussi beaucoup de textes. Oui, les cartes médiévales sont en fait de véritables bibliothèques, des bibliothèques explosées, mises en espace, mises en fragments. Et il est certain que la carte est une machine à produire du discours et du texte, à produire du récit, à produire des descriptions. Une carte peut permettre de raconter effectivement l'histoire du monde, hein, depuis Noé et ses descendants jusqu'au présent des royaumes. Donc c'était déjà comme ça en Grèce, et la majeure partie des textes que nous avons sont des descriptions de cartes ou des élaborations descriptives et narratives à partir de cartes. La carte est quelque chose qui fait beaucoup parler. La carte fait parler, et puis la carte, c'est vraiment ça. C'est toujours la même démarche, hein, que ce soit le dessin ou que ce soit le texte, c'est comprendre le monde, comprendre le monde. Ce vieil Hérodote, 5e siècle avant Jésus-Christ, est l'homme le plus moderne d'esprit, je crois. Oui, c'est un conteur finalement, mais un conteur qui a été le premier des géographes, des voyageurs et on peut dire des ethnologues anciens, le premier à la fois raconter une histoire et relater des faits, des événements, des coutumes qui se sont révélés extraordinairement exacts. Et il y a eu récemment, je veux dire depuis ces 20 dernières années, des découvertes qui ont pu être restituées grâce aux textes d'Hérodote, et qui ont permis de redécouvrir des civilisations totalement enfouies, comme ça s'est trouvé dans la City, c'est-à-dire dans le sud de l'actuelle Russie, ou également dans toutes les terres de Proche-Orient et de Mésopotamie, parce qu'on a longtemps considéré qu'Hérodote était au fond un peu un raconteur facile, qui inventait, qui n'était pas un homme de grande rigueur. En réalité, il avère que maintenant, c'est un témoin indiscutable. Un témoin sérieux et plus que sérieux, un témoin passionnant aussi par la façon dont il voit et dont il raconte. Et au fond, on peut même dire en forçant un peu les choses, mais ce n'est pas tellement déforcé que c'est aussi le premier journaliste. Voilà, bon, Hérodote, premier journaliste, en tout cas. Premier historien, premier journaliste. Qui s'est exprimé en 1960. Ça fait un sacré pédigré. Donc, qui a offert à ses lecteurs énormément de récits de voyage et avec un regard très particulier sur la civilisation grecque. D'ailleurs, au moment où il s'exprime, il venait de faire paraître ses promenades dans la Grèce antique. Christian Jacob, là, nous l'entendons, hein, l'importance de la narration. La carte, en fait, est une narration. Mais la carte se suffit-elle seule ou a-t-elle besoin de vivre avec le texte qui l'accompagne pour ces gens de l'Antiquité ? La carte peut avoir une évidence visuelle et une évidence didactique, intellectuelle, spirituelle, à part entière. Mais encore une fois, elle est à la fois la projection, le lieu de synthèse de tout un ensemble de savoirs et de connaissances. C'est-à-dire une carte peut être à la fois extraordinairement schématique et condenser la totalité du savoir du monde sous la forme d'un dessin très très simple, comme les cartes en théo dont on parlera peut-être à un moment donné, c'est-à-dire un simple schéma avec un T à l'intérieur d'un cercle et il y a tout le monde avec les trois continents qui sont exposés comme cela, ou ça peut être effectivement comme ces maps monde médiévales, quelque chose, voilà, un monde dans lequel on se perd, parce que la map monde d'Erford, c'est impossible de la capter visuellement d'un seul regard. Il faut approcher les yeux et véritablement voyager, se perdre. C'est un labyrinthe de dessins et d'inscriptions. Donc je dirais que dans le monde grec, il y a un petit peu les deux aspects. C'est-à-dire c'est à la fois le concept ultime et quelque chose un peu qui ressemblerait même au mandala tibétain parfois. C'est-à-dire c'est un objet de méditation qui permet de se détacher du monde, de regarder le monde. Un objet de méditation, la carte. Et de se dire je ne suis qu'un point sur cette terre. Je
figure oui. rien du tout dans cette immensité. Et c'est en même temps bon, un lieu d'expansion, une machine d'expansion qui permet de décrire le monde entier. Strabon... Je suis moins convaincu pour la scène limitative, mais bon. La géographie de... Enfin, il y a les histoires d'Hérodote qui sont une expansion narrative extraordinaire de ce que l'on peut voir sur une carte. Oui, parce qu'il y a énormément de choses sur une carte et nous évoquons cette carte d'Edsport. Alors là, nous sommes au 14e siècle à peu près. Charnière. 1300 à peu voilà, près. Voilà, ouais. Il faut le dire, hein, Nathalie Boulou, c'est quelque chose d'imposant. Ce n'est pas une petite carte, cette chose-là. Ah oui, c'est une carte. Oui, ça ne se voit pas sur les images-là. C'est une carte murale. Elle est vachement grande. Était, destinée à orner les murs de la cathédrale d'Arsoir, ouais, qui a donc été produite dans un contexte clérical et qui avait pour mission, effectivement, de rassembler sous les yeux de ceux qui la contemplent l'ensemble pas les dimensions. Du monde dans une perspective spirituelle et méditative. Puisqu'elle est surmontée notamment d'un jugement du Christ en jugement dernier. Oui, donc au moins le message est clair. Voilà. Donc oui, et puis et donc il y a une véritable méditation et en même temps il y a des détails, comme le disait Christian Jacob, extrêmement précis sur la conformation du monde telle qu'on l'a représentée, telle qu'on la voyait à ce moment-là. Et justement, au Moyen Âge, ces cartes, alors on les a évoquées par leur forme, hein, donc un T et un rond, le Théo. Est-ce que cela perdure? Cela perdure, enfin avec perdurer, il y a un jugement. Est-ce que cela se poursuit? Alors, les cartes que vous évoquez en Théo sont des diagrammes, hein, plutôt que des cartes, que l'on trouve notamment dans des manuscrits de textes classiques, notamment médiévaux, hein, notamment à partir du 9e siècle. Par exemple, dans le texte La Pharsale de Lucain, qui est un texte, hein, qui raconte la lutte entre Pompée et César, et qui a beaucoup de détails géographiques. Et les clercs médiévaux lisaient aussi le texte de Lucain, entre autres choses, pas seulement, mais pour les descriptions géographiques. Et donc, il y a de très nombreuses annotations de lecture pour identifier les noms et éventuellement discuter de certains aspects de connaissances géographiques du texte. Et dans les marges de ces manuscrits, on trouvait aussi un diagramme en théo qui représente donc effectivement qui est un diagramme de l'ensemble du monde circulaire avec les trois parties du monde, l'Asie, l'Afrique et l'Europe, divisées, séparées par des éléments aquatiques. La Méditerranée qui divise l'Europe de l'Afrique, le Tanaïs ou Don qui divise l'Europe de l'Asie et le Nil qui divise l'Afrique de l'Asie. Enfin, c'est plutôt la mer Rouge qui l'a fait, mais bon. Diagramme en théo permettait donc d'avoir une vue d'ensemble de cette conception de l'orbis terrarum de l'œcumène divisée en trois parties. Parfois même, dans certaines marges de ces manuscrits, on trouvait des interrogations pour savoir est-ce que le monde était divisé en deux parties ou en trois parties. Et donc, on a des petits diagrammes qui se succèdent dans les marges et dans lesquels on voit une division tripartite, une autre bipartite, hein, qui rassemble l'Afrique et l'Europe, parce que l'Afrique et l'Europe ensemble sont l'équivalent de l'Asie. Et donc, on a une réflexion sur la manière de diviser le monde, qui était d'ailleurs d'origine antique, bien sûr. Et on trouve de ce type de diagrammes aussi dans d'autres manuscrits, par exemple les manuscrits d'Isidore de Séville, dans les étymologies. Et ce sont des gloses cartographiques qui commentent le texte. Oui, c'est ça, c'est là, accompagner le texte avec des absolument. Cartes. Et que ce soit antique ou médiéval, il y a cette volonté de comprendre le monde. C'est extrêmement rassurant, hein, de comprendre le monde, avoir ça absolument. En tête. Et puis dans cette réflexion, bien de temps en temps, mais évidemment, en réfléchissant au monde qui existe, on pense à un autre monde. Par contre, on va éviter la musique. Elle développe. Voilà.
de l'Antiquité. Mettez la musique avec Twitch, j'ai pas envie de me prendre un, à travers les siècles, un strike sauvage. Temps, mais le découpage du temps n'a pas à voir avec le savoir. Et justement, Christian Jacob, la question se pose au moment de réfléchir à la cartographie de la représentation du monde. Comment représenter le monde? Alors déjà, dans l'idée de la forme que peut avoir la Terre. Est-ce plat ou est-ce un rond? Parce qu'après, on ne représente pas le monde de la même manière. Oui, l'histoire de la cartographie connaît plusieurs étapes. D'abord avec la forme même et la matérialité même du support terrestre, enfin de la Terre en tant que corps physique. Et au tout début de l'histoire de la cartographie grecque, la Terre comme corps physique est conçue comme un cylindre dont on peut mesurer les proportions spéculativement, enfin sur un mode géométrique. Et donc notre Terre habitée, notre monde habité, occupe l'une des surfaces de ce cylindre, la surface supérieure. Et donc on laisse ouverte, dès ce moment-là, la possibilité d'un monde des antipodes. Mais on n'a pas conservé à cette époque, enfin, de spéculation sur ce que pouvait être ce monde d'en dessous. Et donc ce cylindre tient en équilibre au centre de la sphère céleste, non pas parce qu'il repose sur de l'eau, comme chez Thalès de Milet, mais parce qu'il est au centre géométrique de la sphère céleste. Et donc il y a une sorte d'équilibre qui se produit, et cette Terre cylindrique flotte sur rien du tout et en suspension, et donc incarne la perfection du centre à l'intérieur de la sphère. Et donc après, la Terre va devenir elle-même une sphère au centre de la sphère céleste. Et là, on a un modèle qui devient beaucoup plus complexe, où la géométrie de la sphère terrestre reflète celle de la sphère céleste. Et donc c'est en observant le ciel et les mouvements du ciel que l'on peut commencer... Oui, c'était courant à l'époque de faire une symétrie entre l'organisation du monde céleste et l'organisation du monde terrestre, en disant que l'organisation du monde terrestre doit s'inspirer de l'organisation du monde céleste. Organiser la Terre et les cercles qui organisent la Terre avec les tropiques, l'équinoxe, etc. Donc il y a un autre aspect qui est aussi important et qu'on retrouve aussi au Moyen-Âge, je crois, c'est le fait de savoir si une carte doit avoir un contour fermé ou ouvert. Et les débuts de la cartographie en Grèce, ce qui me semble très très important, c'est ce contour circulaire d'autorité qui dit le monde est encerclé par un périmètre, un trait continu, et donc ça veut dire qu'il y a un espace pour la connaissance humaine, un espace pour l'exploration humaine, dont on sait qu'il est constitué et qu'il est fini. Mais déjà Hérodote rit aux éclats quand il voit ces cartes, mais en disant mais c'est n'importe quoi, enfin c'est un travail de géomètre, et le monde d'Hérodote s'ouvre. C'est-à-dire qu'il y a des confins qui sont des zones qui se déclinent vers l'inconnu, des marécages, des déserts, des zones infranchissables. Et il y a dès lors toute une dialectique qui se met en place entre l'espace connu et représenté par le cartographe, dessiné avec des positions, des distances, des toponymes, etc. Et les terres inconnues qui sont au-delà. Et c'est un magnifique fil conducteur de l'histoire de la cartographie, jusqu'à une époque même assez moderne, que de voir ces terres inconnues qui peuvent avoir des contours complètement ouverts, mais qui ont parfois des contours très très précis, avec des caps, des sinuosités, des estuaires, des reliefs, etc., et qui sont purement imaginaires. Mais le cartographe a horreur du vide, il faut remplir, voilà. Nathalie Boulou, effectivement, au Moyen-Âge, il y a ça aussi dans cette réflexion de dire « je veux connaître l'ensemble du monde qui t'a inventé. » Alors, si vous ne savez pas, inventer. Sur les cartes, c'est pas tellement l'inconnu qui est représenté. C'est qu'il y a des espaces qu'on connaît très bien, par exemple l'Europe, qui est représentée surtout à partir des villes, du relief, des fleuves, des montagnes, beaucoup donc les villes. L'Afrique, qui est donc restée une Afrique romaine, et puis l'Asie, qu'on connaît finalement. Qui est censée, qui est très grande et dont on ne connaît pas tout. Et donc, dans ces certains nombres d'espaces, on place des êtres, des animaux, parfois aussi des humains, qui ne sont
pas connues, mais qui ont des formes qui peuvent être parfois un peu étranges. Hein, les peuples dits monstrueux, qui sont là encore hérités de l'Antiquité, parce qu'on les trouve... Ah oui, ça, dans les pays lointains, genre les cynocéphales, les hommes à tête de chien qu'on imaginait en Asie, ou ce genre de choses, on imaginait l'existence de peuples ou de créatures fantastiques, et on pensait vraiment que ça existait, mais ailleurs. Déjà dans l'Antiquité latine, et on les représente souvent soit au sud de l'Afrique, en Asie aussi, aux extrémités asiatiques, dans l'Asie du Nord. Mais il n'y a pas véritablement sur cette cartographie d'appel à l'inconnu. Alors, je voudrais revenir peut-être sur un point. Juste rappeler quand même qu'au Moyen-Âge, on pense aussi que la Terre est sphérique. Alors voilà, je voulais absolument que vous le disiez, Nathalie Boulou, parce qu'il faut le répéter. Oui, ça, c'est une idée reçue. Voilà. Comme c'est les médiévaux, les latins héritent de cette géographie grecque et latine, chez les savants, il n'y a pas le moindre doute que la Terre est bien une sphère. Et puis de toute façon, le système dans lequel qu'héritent les médiévaux, c'est le système aristotélicien, alors qu'on connaît avant les traduction d'Aristote à partir du 12e et de la charnière du 12e et du 13e siècle, mais qui devient l'aristotélisme latin, et Aristote a très bien démontré que la Terre était une sphère, mais il n'y a aucun doute pour aucun savant. Voilà, donc le mythe de la Terre plate au Moyen-Âge n'est pas une réalité, c'est bien un mythe. C'est important, non, mais de le dire et de le redire, parce que ce sont des schémas, des clichés que nous avons, mais pour les détruire... Il faut y aller, hein. C'est pas facile. Hein. Ah non, c'est pas facile. C'est des clichés qui sont hérités en fait du 18e et surtout du 19e siècle, à une époque où on percevait le Moyen-Âge comme un monde tout à fait obscurantiste, dominé par une église qui empêchait toute réflexion. Et ça permettait aussi, en même temps... Oui, il y a eu énormément de clichés sur le Moyen-Âge, et de voir le Moyen-Âge comme quelque chose de très sombre, ça c'est l'époque moderne, qui a voulu représenter l'époque d'avant comme une période d'inculture, une période sombre, tout ça, qui est très loin de la réalité historique en réalité de cette époque. On en est très très loin. En se gossant un peu. Après, ça ne veut pas dire que le Moyen-Âge était parfait, loin de là. Mais par exemple, tout ce qui est chasse aux sorcières et bûcher, il y en a eu plus durant la période de l'époque moderne que durant le Moyen-Âge. Médiévaux qui croyaient à la Terre plate, ça permettait aussi de montrer à quel point les modernes, eux, avaient progressé. Oui, voilà, c'est ça. Donc, il y a toujours aussi une espèce d'idéologie moderne par rapport au Moyen-Âge, et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peine encore à déconstruire complètement. Surtout que, quand il est question de cartographie, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui dans le cours de l'histoire sur France Culture, c'est grâce aux gens du Moyen-Âge que nous avons l'héritage de l'Antiquité, et notamment Ptolémée. La fin de l'année 1971 et le début de 72 ont été marqués par une rétrospective à la Bibliothèque nationale de Strasbourg, qui nous a permis de voir comment 100 ans d'acquisition ont enrichi cette bibliothèque qui est aujourd'hui une des plus importantes de France. Acquisitions nombreuses et diverses, faites grâce aux achats bien sûr, mais aussi aux legs et aux dons. Le fonds le plus important qui est enrichi la bibliothèque est celui du chapitre Saint Thomas, dont provient cette traduction arabe du traité de Ptolémée, qui nous montre la carte du Nil. C'est un manuscrit du XIe siècle. Un manuscrit du XIe siècle dans Alsace Panorama. Nous étions en 1972. Et alors là, Nathalie Boulou, nous avons tout le transfert de ces cartes de l'Antiquité qui nous parviennent aujourd'hui en passant par le monde arabe. Alors, en réalité, les cartes de l'Antiquité ne sont pas passées par le monde arabe. Et la géographie arabe a très peu influencé la géographie médiévale. Sauf dans un domaine qui est celui de l'astronomie. Et dans le domaine de l'astronomie, en raison des liens qui existent entre la sphère terrestre et la sphère terrestre, il y a tout un pan de réflexion sur la conformation de la sphère, sur l'étendue de l'espace habitable par les hommes, qui sont discutés dans le monde arabe et qui parviennent par le biais de traductions, évidemment, à partir du XIIe siècle, chez les latins. Alors, les cartes de l'Antiquité nous viennent du monde byzantin ?
Donc je tente non. Des pistes. Elles viennent non, les cartes de l'Antiquité viennent du 5e, 6e siècle, au moment où au passage de la culture antique latine dans la culture médiévale. Ptolémée n'a jamais été oublié. Alors, Ptolémée n'a jamais été oublié, mais on n'avait pas de manuscrit de Ptolémée avec le texte et les cartes pendant le Moyen-Âge. Il a été retrouvé au début du 15e siècle, mais on en connaissait l'existence. On en connaissait l'existence, par exemple, au 6e siècle, par Cassiodore, qui recommande aux moines de Vivarium, monastère qu'il a créé en Italie, de s'intéresser à la géographie et d'avoir des connaissances géographiques. Et il leur suggère, dans un deuxième temps de l'apprentissage de la géographie, de contempler et de connaître le monde à travers Ptolémée, la géographie de Ptolémée. Donc de ce point de vue-là, il existait un manuscrit à Vivarium de Ptolémée. En grec ou en traduction latine, c'est discuté, probablement quand même plutôt un manuscrit grec. Après cela, on n'entend que d'une manière pas très fréquente, hein, parler un peu les savants, les lettrés carolingiens, évoquent parfois la géographie, mais c'est vraiment très, très limité. Mais c'est seulement à partir du XIIe siècle où là, l'Almageste de Ptolémée, donc déjà ce traité astronomique qui est absolument fondamental pour l'Occident latin, est traduit, donc va donner à Ptolémée une notoriété. Et d'ailleurs, souvent, on associe Ptolémée à un roi Ptolémée d'Égypte. C'est l'aura qu'il a au Moyen-Âge. Et puis donc, dans les traités très savants qui discutent de la conformation du monde, les Arabes, qui eux connaissaient Ptolémée, parce qu'ils en avaient, au point depuis le 9e siècle, hein, une traduction complète, texte et cartes. Donc discutaient et mentionnaient Ptolémée. Et c'est par les mentions de Ptolémée qu'est parvenu en Occident, dans l'Occident latin, ou à partir du XIIe siècle, la connaissance de Ptolémée. Ptolémée a écrit une description du monde où les lieux sont localisés par la latitude et la longitude, et également des cartes. Déjà à l'époque. Mais il ne connaissait pas le contenu en détail, mais il en avait l'idée. Christian Jacob, justement, dans ce regard que l'historien porte sur son objet d'étude, les cartes de l'Antiquité, il y a tout ce filtre temporel, parce que les cartes dont vous disposez, eh bien, ont connu ces transferts et sont arrivées jusqu'à nous. Alors, comment travaille-t-on? Comment retrouve-t-on, j'ai envie de dire, ce qui est antique, et puis tout ce qui a été rajouté ou transformé? Évidemment, l'historien de l'Antiquité travaille sur des sources différentes de celles de ses collègues médiévistes. On travaille sur des textes, sur des œuvres. La carte est quelque chose de relativement abstrait. Deux objets cartographiques ont surgi ces dernières années dans notre paysage, un tesson de céramique et un rouleau de papyrus. Malheureusement, je suis convaincu qu'il s'agit de faux. Donc on n'en parlera pas ici. Mais donc je dirais que le rôle de l'historien pour l'Antiquité est d'abord de faire une histoire des géographies parallèles, c'est-à-dire de bien localiser ce courant de la cartographie scientifique parmi d'autres, parmi les récits de voyage, les descriptions, les manuels de cosmologie, les poèmes didactiques, etc. Et d'essayer de comprendre dans leurs propres termes les différentes œuvres qui jalonnent cette histoire. Et donc pour Ptolémée, effectivement, la grande nouveauté, c'est d'abord qu'il y a un traité technique sur la construction de la carte, avec des définitions très précises, la géographie, la chorographie, la topographie, avec donc une analogie avec la représentation d'un visage humain ou de parties du visage humain. Il y a ensuite tout l'appareil théorique et géométrique qui permet de représenter la carte sur une projection plane, mais avec la courbure des méridiens, des méridiens vers les pôles. Et il y a enfin ce dispositif nouveau qui consiste à cataloguer les lieux par leurs coordonnées de longitude et de latitude. Et dès lors, la géographie devient quelque chose d'extraordinaire, ça devient des listes, des catalogues qui peuvent être corrigés, réactualisés, complétés sans perturber la cohérence de l'ensemble. C'est-à-dire l'histoire de la tradition de Ptolémée au Moyen-Âge, puis à la Renaissance avec Ortelius, Mercator, etc., va être celle d'une actualisation progressive de la géographie ancienne vers la géographie moderne,
en gardant le même cadre conceptuel et géométrique. Donc c'est un espace de rangement, de classification, de mise en ordre, où on peut procéder à des modifications très très localisées, tout en gardant la structure géométrique d'ensemble, ce qui est extraordinaire. La révolution Ptolémée. En 166, le représentant de l'empereur romain Marc Aurèle arriva en Chine par le Vietnam. C'était sa première visite. Rome a enfin trouvé une route maritime. Sauf qu'il n'y a plus vraiment d'envoyés officiels de l'empereur en Chine. Il y a eu quelques marchands, mais c'est vraiment extrêmement rare. En Inde, oui, il y a eu des représentants, mais ils ne sont pas allés jusqu'en Chine. Ouais, Vietnam peut-être. Tropère, tête, chevalier, multiscrit. Quand le représentant romain rentre à Alexandrie, Ptolémée, le directeur de la bibliothèque, se met à dessiner sa fameuse carte du monde. Tropère, tête 16, je ne sais pas ce que t'écris, mais si tu pouvais avoir des commentaires qui font du sens, et jusque-là, ça serait bien. Au bout du continent eurasien, la Chine est représentée pour la première fois. Ptolémée dessine sa carte dans un documentaire grandiloquent, Les plus grands génies de l'Antiquité, diffusé par France 5. Et justement, oui, c'est un peu grandiloquent et plus que réel. Autour de ces cartographes de l'Antiquité, parce que nous projetons nos propres représentations du monde. En fait, c'est peut-être ce schéma-là qu'il faut adopter aussi pour comprendre ces cartographes de l'Antiquité. C'est qu'il y a une rupture. Ils sont autant mathématiciens que de réfléchir sur leur monde et sur la religion. Alors que nous, le cartographe, nous les voyons dans un domaine réservé. Donc il y a peut-être ce schéma-là aussi qui explique ce fantasme Ptolémée. Bonjour, Tropette 1616. Merci d'écrire des messages qui ont du sens et pas n'importe quoi. De la cartographie qui doit sortir. Rare, une chaîne qui traite d'histoire sur la plateforme. Du modèle contemporain. C'est pas la plateforme, mais plutôt dédiée aux jeux vidéo, c'est vrai. Mais il y a des gens qui parlent d'histoire ou d'autres sujets. Il y a Histoire Appliquée, il y a Nota Bene notamment, qui font des lives sur l'histoire. Même Rivenzi fait de temps en temps des lives en invitant des historiens. Donc il y a quelques chaînes qui parlent d'histoire, quelques chaînes qui ont du monde également. La Folle Histoire fait des lives aussi. Donc voilà, c'est pas si rare, mais c'est vrai que c'est pas ce qu'on trouve le plus. Mais voilà, je suis content que ça t'intéresse. Contemporain pour s'intéresser effectivement à ce projet extraordinaire qui est passé, enfin qui s'est transmis dans des milieux culturels très très différents, les écoles philosophiques, les milieux savants, universitaires, ecclésiastiques du Moyen-Âge. Donc oui, le jeu vidéo reste faut sans doute substituer l'élément dominant de la plateforme. Une vaste histoire culturelle, sociale, imaginaire, du projet même. Mais la plateforme se diversifie de plus en plus. Il y a des gens qui parlent de politique, des gens qui peuvent faire des lives pour faire des démonstrations de artistiques. Tu peux faire des lives sur la littérature, des gens qui font de la lecture en live. Il y a plein de choses possibles. Représenter le monde, ce n'est pas le même monde. On le considère pas de la même façon. Et les cartes ne servent pas à la même chose, enfin, entre le voyageur contemporain, celui qui utilise Google Maps, qui regarde la carte de la météo à la télévision, et ces anciens qui essayaient de construire un modèle géométrique, idéal et rationnel du monde. Oui, c'est sûr que c'est complètement différent. Hein. Oui, l'usage des cartes a totalement évolué. Notre représentation du monde, géographiquement, déjà évolué par l'évolution des moyens de transport et de communication. Parce que déjà, on peut se déplacer physiquement en quelques heures à travers toute la France. Là, avant, il fallait des jours, voire des semaines. Et on peut communiquer de manière instantanée avec n'importe qui à travers le monde. Alors qu'avant, il fallait des mois. Donc déjà, cette représentation du monde a évolué. L'accès à la carte et aux représentations du monde est aussi beaucoup plus simple. Parce que l'accès à toute connaissance est maintenant beaucoup plus simple. Hein, Google Maps, on peut savoir à tout moment où est-ce qu'on est sur une carte et voir la carte.
Donc c'est sûr que c'est en termes d'évolution de représentation du monde, c'est quand même assez important. Nathalie Boulou, c'est la même chose. Quand on regarde une carte médiévale, il faut pas dire oh ben le trait il est mal fait, puis ça c'est mal placé, parce qu'on n'est pas du tout dans ces considérations-là. Mais absolument. On est exactement dans une histoire culturelle, une histoire des savoirs. Et effectivement, la carte est absolument pas exacte à nos yeux, mais elle est parfaitement utile aux yeux des contemporains. C'est à eux d'ailleurs qu'elle s'adresse, et pas à nous. Donc, Oui, bon, c'est effectivement, clairement pas à nous il avant leur faut carte, c'est clair. essayer de replacer ces cartes dans les milieux qui les ont produites, pour en étudier les usages et les significations. C'est ça l'objet de la représentation de l'espace. C'est-à-dire que la carte ne se suffit pas en elle-même, Christian Oui, Jacob. je crois que une idée très, très importante, c'est qu'une carte fausse et aberrante peut permettre à un milieu social, à une époque donnée, de penser le monde dans lequel il vit. Enfin, une carte complètement fausse et schématique peut être extraordinairement efficace. Et donc, il ne faut pas penser l'histoire de la cartographie uniquement sur le mode de la conquête de la précision, de l'exactitude et de la ressemblance au monde où nous vivons aujourd'hui. C'est quelque chose qu'il faut rappeler aussi, hein, Nathalie Boulou, c'est ça, c'est il faut connaître la société qui a produit les cartes. La carte seule ne suffit pas en Non. fait. Et puis, il faut aussi absolument se dégager de l'histoire d'un progrès, de la cartographie. Comme quoi, on aurait de plus en plus, l'histoire de la cartographie serait l'histoire de la conquête par l'homme, de la représentation la plus exacte, c'est-à-dire quasiment l'équivalent du réel, le réel lui-même mis en carte. Donc, nos cartes modernes. En réalité, évidemment, nos cartes modernes ne sont telles qu'elles sont que parce qu'elles ont été produites dans une société particulière aussi, qui est très technologique par ailleurs. Et la cartographie, c'est vraiment une représentation du réel dont les modalités de représentation dépendent du milieu dans lequel elle a été produite. C'est un peu comme toutes ces cartes que l'on utilise, ces cartes routières, où nous savons quand elles sont. En Charente, le département a mis en ligne des cartes de l'état-major de 1830 et de Cassini 1760. C'est intéressant, ça c'est intéressant que les collectivités locales ou que l'État, enfin les collectivités publiques, État ou collectivités locales, permettent de mettre l'accessibilité à tous différentes cartes, et enfin de la connaissance, des documents en général. Ça permet de rendre accessible au public carte de Cassini. On va essayer de voir si on peut voir à quoi ça ressemble. Hop. À quoi ça ressemble les cartes de Cassini? Donc voilà, c'est des cartes de département, j'ai l'impression. Toute la France du 18e siècle. Où là, oui, on a une carte qui est quand même assez ressemblante de quoi ressemblait la France à l'époque. Daté qu'il ne vaut mieux pas les utiliser, sinon on va pas trouver notre route. Et bien c'est un peu pareil pour les cartes venues de l'Antiquité, les cartes que nous a laissées le Moyen Âge. Hein. Il faut vraiment les contextualiser toujours pour essayer de les comprendre, sinon on ne trouve pas sa route. Non seulement on ne trouve pas sa route, mais on trouve que ce sont des objets sans intérêt. En plus. Parce que comme ils ne sont pas exacts, ils n'ont pas beaucoup d'intérêt. Et ils révéleraient même, enfin dans les pires histoires, enfin, ils révéleraient même la naïveté de ceux qui les ont produites, alors que ce n'est pas ça du tout. Ce sont vraiment des objets qui sont pensés, qui renvoient vraiment à une rationalité du monde et pas à quelque chose qui est fantaisiste. Merci vivement à tous les deux, Christian, Jacob, Nathalie Boulou, de nous avoir parlé de ce dialogue, en fait, et même d'avoir dialogué entre l'Antiquité et le Moyen Âge autour de toutes ces cartes. Christian Jacob, je rappelle, des mondes lettrés au lieu de savoir publier aux belles lettres. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Marion Dupont, Anne Toscan-Judès, Jeanne Delecroix, Anna Grimbach. Une émission dont la programmation est assurée par Maïwenn Guizhou. À écouter, à podcaster Ouais. sur notre site francecultur.fr et Alors sur la. aujourd'hui, il n'y a pas le journal de l'histoire. J'ai l'impression qu'ils font pas ça tous les jours. Parce que la semaine dernière, j'ai eu des émissions où ça y était et d'autres où ça y était pas. Et là, ça y est pas. Donc,
On verra si les prochaines fois il y a le journal de l'histoire. Et donc sur Géoportail, on peut les consulter. Ben, je regarderai ça. Je regarderai ça. Tout à l'heure. Voilà, voilà. Ben, écoutez, c'est terminé pour cette émission. Là, bon, c'était juste un peu improvisé. Mercredi soir, on va vous faire une autre live, une autre émission. L'émission soit du mardi, soit du mercredi, laquelle me semble plus intéressante. Et où j'aurai sûrement, du coup, pris quelques notes avant sur le sujet pour vous faire quelque chose d'un peu plus préparé. Et là, c'était petit live improvisé. Voilà, voilà. Donc, je vais vous laisser quelques minutes si vous avez des questions, des remarques en particulier. Et puis, je vous laisserai pour aujourd'hui. Et n'hésitez pas à me suivre également sur ma chaîne YouTube si vous n'êtes pas encore au courant de son existence. Et puis sinon, oui, niveau contenu, le prochain contenu qui va sortir, il y aura peut-être une mini vidéo qui va sortir sur la chaîne dans les prochains jours, mais ce sera vraiment un sujet très court. Et puis sinon, rien de prévu avant mercredi. Mais écoutez, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Enfin non, bonne soirée, non, bonne